on les a connus par les Babylon Circus et par tous mes potes, forcément, de Lyon, Saint-Etienne. Je l'ai plus connu comme cela que par la musique au départ, par le bruit et par les gens. Et donc du coup, on les a fait jouer, je crois, à la deuxième année de notre association qui s'appelle Première Pression sur Toulouse. Puis après, au Garo Rock peut-être même, la première fois au Garo Rock, tout début. Du Garo Rock, et puis après on les a suivis, hein. Je crois qu'on a fait 7, 8, 10 dates avec maintenant, ça commence à en faire quelques-unes quoi. Je pense que les programmateurs ou les gens de certaines salles ou certains lieux n'ont pas cru dans ce groupe parce qu'il y a eu beaucoup de groupes festifs ou reggae festifs dans le sud-ouest qui ne marchaient plus, et comme c'est des gens faits du rock et autres qui ne prennent peu de risques et qui travaillent en fait avec des tourneurs préétablis et qui prennent des tournées des tournées habituelles d'artistes. Et apparemment, Dubbing n'en faisait pas partie. Car si j'ai pris ma plume, c'est que j'ai besoin de voler, de sortir de l'arbre des usines et l'enfumer entre le marteau et l'enclume, j'ai souvent pas besoin de respirer. Non, j'ai jamais su télé, mais j'ai en moi à quoi vibrer. Car la musique est musique, on peut dans tous les quartiers. Et par rapport au public, mais moi je dirais pareil, ils ont un public généreux. En fait, t'as toujours le public qui te ressemble. Quoi, je sais pas, tu vois, moi c'est ça, quoi. Je pense que les gens, ils sont avec toi comme ce que tu donnes aux gens, ils te le redonnent directement derrière. Je crois que c'est ça, quoi. Yo, yo, yo. Qu'il faut